C'est chaud. Eh, hey, je maîtrise, hein. Je suis pas en face, là. Et là, on aplatit. Allez, encore 5 secondes, normalement. Allez, on essaye. Bonjour à tous, aujourd'hui avec Pôle emploi, je vais tester un nouveau métier de l'hôtellerie et de la restauration. J'ai rendez-vous avec Charles, qui est barman café. Venez avec moi. Bonjour Charles. Comment tu vas? Comment ça va? Ça va bien, c'est enchanté. Un plaisir de te voir. Florian, toi t'es barman café Charles, c'est ça? Barman café, ouais. Et apparemment, il y a plein de choses à savoir, même pour faire un espresso, en fait, c'est super technique. Pas mal de petits secrets à avoir. Et bah tu vas me montrer tout ça, t'es mon formateur aujourd'hui. Top, ça me fait plaisir. On passe sur le côté torréfaction. Allez, super, tu vas pouvoir me tester même aussi. J'ai des petits objets à te faire découvrir ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est une carafe. Ouais, qui peut te permettre. Qui permet de mettre les grains de café dedans. Non. De l'eau. Non, mais ça n'a rien à voir avec ton métier. On va dire les grains, oui, mais d'une certaine manière. Moulu. Exactement. Ah. Ça va être une Chemex. Autre chose. Ça, c'est pour tasser le café. Exactement. On a le café moulu dans le porte-filtre, on presse de manière bien équilibrée pour avoir une bonne extraction. Qu'est-ce que je tiens dans ce petit paquet? Il y en a un qui est vert, voilà, et l'autre qui est foncé. On est en fait sur la cerise du café. Ah, ça s'appelle la cerise du café, c'est ce qui renferme le grain de café. Exactement. C'est super intéressant. Donc voilà. Eh, gros, merci Charles. Avec grand plaisir. Alors Charles, t'as fait une formation toi spécifique pour être barman café? Alors, moi ça fait une petite dizaine d'années que je suis dans la restauration. Je suis passé partout et j'ai fait un voyage en Australie, où là-bas, le café est quand même un peu une religion. Et en revenant en France, je me suis rendu compte que c'était un marché qui allait peut-être exploser. Et j'ai commencé à apprendre en étant dans des brasseries, en faisant des formations avec certains groupes. C'est assez technique. C'est un métier qui n'est pas encore reconnu à sa juste valeur, je trouve. Mais on a toute une formation qui existe sur le métier de barista, de barman du café. Et alors, quelles sont les qualités pour être un bon barman café? Il faut être précis, organisé, souriant, avenant avec les gens, parce qu'il y a de plus en plus de cafés, comme je t'ai dit, qui ouvrent. Et je pense que la grosse différence se fait sur le service. Et tu as des perspectives d'évolution dans ton métier? Sur le côté barman café, on commence en junior, donc en apprenti, pour passer ensuite indépendant et responsable. Ou sinon, tu peux essayer de ouvrir une nouvelle perspective, se former sur la technique, former les autres aussi. Ça, c'est quelque chose d'assez cool, de pouvoir transmettre le savoir. C'est assez bien. Mais alors, ton métier, c'est pas juste faire le café? Au final, non. On va aussi avoir toute la préparation des pâtisseries pour les clients. Ça va être des boissons fraîches, ça va être des boissons chaudes différentes du café aussi. Dans un café, il faut réussir à proposer tout ce que les gens peuvent aimer. Il faut rester ouvert d'esprit quand même. C'est un métier où il faut pas se limiter. Bon, tu vas vouloir me challenger maintenant, j'imagine. Ouais, j'aimerais bien voir si tu arrives à faire deux petits espressos de qualité. Allez, je relève le défi. Alors, je commence par quoi? Alors là, je te laisse récupérer le porte-filtre. Donc, il faut que tu désenclenches sur la gauche, parfait. Comme ça. Là, jusqu'au bout. Ok, super. Hop, c'est bon. Tu allumes la petite balance. Ça, je sais faire. Ah non, je sais pas faire. Et cool. Voilà. Tu Et vas là. Pouvoir passer en dessous pour enclencher en fait la mouture du café. Comme ceci? Oui. Parfait. Parfait. Tu peux le retirer. Eh, hey, je maîtrise, hein. Alors là, les petits gestes. Tu vois que ça fait un petit mont. Ouais. Essaie de taper légèrement vers toi. Comment ça? Comme dans ce sens-là? Exactement, tu vois, ça va aplatir un peu. C'est chaud. Nickel. Ah ouais, ça aplatit. Pas mal. Et nous sommes sur du 19-4. 19-4, c'est bien, mais pas on mal. Peut faire encore mieux en essayant. C'est comme à la station-service, il faut essayer que ce soit pile. Exactement. Pas au-dessus, pas en dessous. Et donc essaie de mettre à 19-0. Ah, je retire un peu. 18-9, c'est parfait. Oh, attends. Ah, on essaie de préciser. 19. Nickel. Et là, on aplatit. Exactement. Donc, tu essaies de prendre le tempeur, dépose-le dessus et tu retires. Comme ça? Ouais. Et on est bon. Et regarde Parfait. Cette propreté, cette précision dans l'acte. Là, on est pas mal. Ah ouais. Le petit test pour voir si ça fonctionne, retourne. T'es sûr? Ouais, on peut y aller, je pense. Et ça tient. Ah ouais. Donc là, t'as fait. T'as vu, j'étais pas sûr. Pas trop serein, mais c'est passé. Pas trop serein. Super, bien serré. Tu te récupères les deux tasses qui sont ici. Ouais. On met où? Ici, ici? C'est parfait. Très bien. On équilibre. Et là, tu appuies sur le bouton du milieu. C'est bon. Hop. Donc là, on a une pré-infusion qui se fait sur les 5 premières secondes. Parfait. Et on doit arriver à un temps d'écoulement d'environ 25 à 30 secondes. D'accord. Donc on va voir si on est dans les temps. Allez, encore 5 secondes normalement.
25. 25 secondes pile. Tout est respecté. Dans les règles de l'art. Tu te récupères une sous-tasse et une cuillère. Tu peux récupérer ta tasse. Hop. Parfait, la petite oreille sur le côté droit. Et on est prêt à servir le café. Eh ben, allons-y alors. Alors, le bilan. Écoute, je pense qu'on a fait le tour un peu du métier de barman café. T'as fait une super démonstration avec les deux beaux espressos. Je ne te le fais pas dire. J'ai vu, on a fait tester ça en plus à un petit client qui a beaucoup apprécié. Ah ouais, j'ai vu son sourire, franchement. Directement. Il m'a mis du baume au cœur. Il en a demandé un deuxième d'ailleurs. Oh là là, il va être déçu, c'est pas moi qui le fais. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu aussi et que tu as pu un peu découvrir le métier. Très content d'avoir eu cet échange avec toi. Et je suis ravi aussi, merci beaucoup Charles. Merci beaucoup. Et à bientôt. À très bientôt. Salut. Merci, salut. Ciao. Et voilà, nouvelle expérience pour moi. Si vous voulez plus d'infos sur ce métier de barman café ainsi que toutes les offres d'emploi qui y sont liées, rendez-vous dès maintenant sur le site paul-emploi.fr et moi je vous retrouve très bientôt. Salut.